Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente notre nouveau train de la collection Brio, du monde Brio World. Donc voilà, je vais mettre le petit train en route. Et c'est parti. Donc avec, nous avons un petit personnage. On peut changer le feu vert au rouge. Ensuite, nous pouvons mettre le petit plot faire demi-tour. On va voir ce que ça donne. Donc vous allez voir que là il peut s'arrêter. Donc pour le faire redémarrer, on appuie sur le bouton de devant. Ça c'est la marche arrière et au milieu c'est juste du sonore. Donc c'est reparti pour un tour. Et à la place de la figurine faire demi-tour, je vais mettre le panneau stop. En fait il y a ce côté interactif où l'on peut... où le train en fait réagit aux panneaux, aux différents panneaux sonores. Enfin, on a le stop, le faire demi-tour et un panneau sonore. Voilà. Un petit escalier pour les personnages. On a également le petit bonhomme. Et le petit bonhomme, on peut le mettre dans le train. Donc, il suffit d'ouvrir le train, d'asseoir le petit bonhomme. Et hop là. C'est parti pour un tour. Donc voilà le super train. Comme vous pouvez le voir, en plus il a des feux à l'avant. Le design est vraiment sympa et assez moderne. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour notre petite vidéo de présentation du train Brio. Donc il s'agit de la boîte 33873 Smart Engine Set with Action Tunnel. Bon, bien sûr, comme vous l'entendez, je n'ai pas l'accent anglais, mais voilà. C'est plutôt sympa en fait. Et voilà. Donc vous pouvez retrouver tous les autres circuits Brio sur leur site. Je vous mettrai le lien en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.